Aujourd'hui, je serais bien incapable de te dire quelle peinture je vais faire demain. Tu vois, il y a une nouvelle feuille blanche et c'est aussi feuille blanche dans ma tête depuis plusieurs jours. La dernière œuvre est celle-ci, fragment numéro 2. J'avais expliqué un peu ce qu'était cet aspect fragment. C'est ce que je vis un peu à l'intérieur. Et aujourd'hui, comment j'aborde la peinture, effectivement, j'acconstruis petit à petit de manière très fragmentée et les choses se passent. Je ne sais pas du tout ce vers quoi je vais aller. C'est véritablement un terrain vierge. Je m'étais reposé sur les précédentes séries, sur une dialectique très, très construite, un sujet bien construit. Je savais où j'allais. Aujourd'hui, je ne le sais plus. Est-ce un drame pour autant? Je ne pense pas. Je pense que je suis arrivé à une étape où, justement, je suis désormais libre de beaucoup de configuration, de préfiguration, d'idées toutes faites, où je suis nourri de mon précédent travail, de toute l'année, mais peut-être qu'aujourd'hui commence la vraie peinture, celle où j'invente un nouveau langage, une nouvelle expression, quelque chose de vraiment beaucoup plus personnel, au-delà de toute construction, ça reste de la peinture. Et c'est ce langage de la peinture, sans forcément le formaliser au niveau des mots, ça viendra. Ça, il y aura toujours ce travail-là, quand même, dans le fond, parce que ça m'aide, malgré tout, à comprendre que plutôt que de m'adresser à des images de l'inconscient collectif, qui était vraiment le fond, le sujet des archétypes, je vais développer au contraire mes propres images destinées à interroger, m'interroger, t'interroger, et par là, du coup, développer entre nous une autre relation, une façon de se chercher, de se connaître, de s'interroger sur l'autre. Voilà aujourd'hui ce qu'est la collection des fragments. Donc, mystère, je te donne rendez-vous dans quelques jours, on verra ce que ça donne. Tu peux suivre de façon plus étroite l'activité, hein, ce qui m'inspire, ce que je fais dans le fond, les coulisses. En rejoignant mes contacts privés, je te mets le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.